À l'aéroport international de la Luano, ici à Lubumbashi, la joie était à son comble pour les membres de l'association socioculturelle Tuibungé, qui rassemble le peuple Emba du territoire des Congolo, province du Tanganyika. Communauté dont fait partie la présidente de l'Union panafricaine de la jeunesse, Francine Muyumba, accueillie au pied de l'avion par le comité exécutif de cette association. À l'extérieur, le passage est difficile et la mobilisation grande, rythmée par le folklore du groupe Mbuliemba, à la grande satisfaction des femmes et autres jeunes venus également à l'accueil de Francine Muyumba, présidente de l'UPJ. En direction vers le centre-ville, le cortège s'arrête net au rond-point Mzelorand Désiré Kabila. Où s'étaient rangées les majorettes de la Gécamine, dans la suite du protocole d'accueil de Francine Muyumba. Très émue par ces dispositifs impressionnants, la présidente de l'UPJ va avant de prendre son repos échanger avec ceux qui sont venus à sa rencontre de l'aéroport au centre-ville. Dans ces mots, une seule chose, la gratitude exprimée pour l'accueil à lui réservé. Les honneurs à son endroit vont s'en suivre à cette réception organisée en sa faveur par les membres de l'association socioculturelle Tuibungé, en présence du président de la communauté katangaise et d'autres tribus culturelles connues par les Bahemba comme des Batani. C'est le cas des Barega, du Maniema et du Sud Kivu, ainsi que d'autres associations invitées, dont les Batabwa de Moba, Buluba Ibukata du Katanga. La soirée était marquée par plusieurs allocutions. La première, celle du président national de Tuibungé, Bivon Mwenge, qui parle des valeurs des Muyumba pères qu'on retrouve aujourd'hui en Muyumba filles. C'était un message lu par la mère Muyumba. Il va aussi appeler à l'attachement et au soutien de leur fille Francine Muyumba, rappelant qu'elle est d'une famille royale qui exerce encore son pouvoir au village de Lubovia. Vous connaissez, madame la présidente de la jeunesse panafricaine, que vous ne le savez pas, ou à la limite, faut-il vous le rappeler, ce que signifie Muyumba chez les Emba. Ce nom fut attribué à ceux de nôtres qui se distinguaient par des hauts faits, pour simplement signifier espoir ou tenir à part. L'autre adresse était celle de la présidente de l'Union panafricaine de la jeunesse, Francine Muyumba, fille Muhemba, qui a remercié les Tuibungé et tous les peuples Hemba pour l'amour manifesté à son endroit, avant de signifier à l'assistance qu'elle a grandi dans le Tuibungé et reste attachée à son association, car son père fut président des Tuibungé à Kalemi dans le temps. Katangaise en plus, j'aimerais vous dire que je suis fière d'avoir reçu l'éducation des parents Emba. J'aimerais remercier infiniment l'association socioculturelle Tuibungé, en particulier et la communauté katangaise en général. Ça montre l'unité, l'amour qui nous caractérise. Ce n'est pas seulement pour m'honorer, mais plutôt pour que nous puissions encore une fois renforcer nos liens et l'unité envers nous.
Tour à tour, d'autres personnalités présentes vont encourager la présidente de l'Union panafricaine La Jeunesse. C'est notamment le président de l'association Tui Bungé, les femmes et les jeunes Emba. Ainsi, l'un des plus grands notables Emba, Raymond Muyumba Maïla, qui va l'encourager puisqu'elle est l'une des filles Emba qui fait la fierté de la communauté tout entière. Je crois que la vieille pose les voies pour que les gens ne puissent pas passer. Ça, c'est notre enfant. Quand vous prenez un enfant, ça, c'est notre enfant. Il y a un enfant qui nous nourrit, la sommation est un enfant qui est tout. Dieu est un seigneur, tout qui est tout. Vous pouvez avoir un enfant, vous pouvez avoir un enfant. Moi, vous pouvez avoir un enfant. En fait, vous pouvez avoir un enfant. Pour que vous passez, Kabila, alors qu'il s'agit que chacun là où il est, dans ce qu'il fait, dans sa vie de tous les jours, pour faire la case de mourir. La rencontre va connaître un moment fort, la remise des cadeaux, en commençant par le comité exécutif de Tui Bungé, qui a remis cette corde symbolisant une vache à la présidente de l'UPJ. Les jeunes Emba, eux, ont remis un tableau artistique. C'est par la danse que la soirée va se solder avec les esquisses de Francine Muyumba sous les rythmes du groupe Mbuli Emba.